Un truc qui déconne, vous pourriez vérifier ça? Bien sûr, je vais voir. Hein? C'est probablement la détente qui coince. Je vais vous la changer, ce sera pas long, vous verrez. Sois sage, il n'y aura pas de bobos. On les mains! Un geste et vous êtes mort. Toi, jette-moi ton artillerie. Et en douceur. Toi, main sur la tête, comme au cinoche. Allez, vas-y, mets-toi à genoux. À genoux, j'ai dit! Et Toto, monte sur le comptoir. Vas-y. Voilà, c'est ça. Attention, les mains sur la tête. Ok, Georges, ça a marché. J'ai les deux hommes, du fastoche. Merci. Dis donc, Doug, j'ai toujours pas joint ton copain, attends pas. Qu'est-ce que je fais? J'insiste? Mais je l'appellerai plus tard. Tu n'as pas l'air relax. Est-ce que t'aurais un peu peur? Oui, monsieur. Un hélicoptère fiston, c'est un peu comme une jolie femme. Il faut lui montrer qu'on sait y faire, sans brusquer. Tu aimes danser? Alors imagine que t'invites ta fiancée à valser.
Ben, secoué, je me sens. Je crois que l'hélico, c'est pas pour moi. Tu crois? Tu te décourages le premier jour, bon pas. Oui, ici Doug Bennett. J'ai appelé 3 fois de New York. Est-ce que je peux parler à Monsieur Forrest? Ah, il est toujours en vol. Très bien, ben je rappellerai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de papier. Mais laissez-le. Ah, fumier, je suis sûr que t'es pire que lui, toi. Oh, il salope la seule photo que j'ai de mon vieux copain Steve. Touche pas à mon pote. Tu connais pas? Il me le paiera. Je te le promets, Steve. École de pilotage, j'écoute. Vous désirez, monsieur? Salut, Doug Bennett encore. Est-ce qu'il a atterri? Un instant, je vérifie, monsieur. Salut. Qui c'est? Il est encore vivant, il me pompe lui. Bonjour, ici le répondeur téléphonique de Steve Forrest. Je suis absent pour l'instant. Dites-moi qui a appelé et laissez éventuellement un message après le bip. Bip! Tu sais que t'es marrant, tu Steve? C'est pas vrai, il m'a reconnu. Écoute, Joe Garrett a été libéré, il est sorti hier. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, dis-moi? Mais écoute, c'est la seule affaire en suspens de toute notre carrière. De ta carrière, Blondinet. Moi, il y a 2 ans que j'ai décroché. Et je suis pas prêt d'y remettre les pieds, moi, dans ta soi-disant police qui me laissait même pas en castagné. Allez vous faire voir chez les Boy Scouts. Non, mais, tu sais, cet enfoiré de Garrett, à peine libéré, eh bien, il a téléphoné à un mec à Miami, il est dans l'avion et il va atterrir ici dans moins d'une heure. Bon, écoute, Doug, j'ai 20 de mes étudiants qui passent leur test courant de la semaine. J'ai autre chose à faire qu'à me pencher sur un hold-up ringard. Non, mais t'es malade, ringard, un hold-up de plus de 20 millions de dollars? Possible, mais je m'en bats l'œil de tes millions. Mes étudiants, c'est sacré, ils ont bossé dur. Non, écoute, Steve, Garrett est sur le vol. Attends, Eastern 422. Il atterrit dans 45 minutes. Tu as tout le temps de venir et on pourra en discuter, toi et moi. J'ai pensé que... Ne pense plus. Tu penses trop. Calme ici, c'est paisible. Continue de rouler. On prend le pognon et les bijoux. On pique un max et on se barre. Hein? Allez, démarre. On obéit les flots! Mon mari est sans intérêt. Écoutez-moi, il n'y a pas d'argent, il y a que des documents. Il y a que des documents. Allez, ouvre, ouvre! Voilà. Oui, bon, arrête là, mec, j'en ai marre. Terminé, barrons-nous! Non mais calmez-vous, c'est fini. C'est fini. Voyons, calmez-vous. Nous sommes pas loin du poste de police, je connais. Il n'y a qu'à y aller, hein, d'accord? Oui, oui, allons-y. Mais
tout, c'est quoi. Bon, alors on va mettre ça par écrit. Écoute, vieux, tu me le passes à 5 heures. Ok. Mon chef, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, chef, il nous en manque un. Un voyageur a disparu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ses bagages sont là, pas lui. Bien raisonné, Lyon. Alors voyez au moins si on peut l'identifier d'après ses bagages. Oh, c'est fait, chef, ça y est. Il sortait de Saint-Quentin. C'est un détenu qui venait d'être libéré. Il s'appelle Garrett, sorti de tôle depuis juste 2 jours. Garrett, ce nom vous dit quelque chose? Ah, ma foi non, capitaine. Bien sûr, c'est beau d'être jeune. Ce Garrett a participé au braquage de la banque de Détroit qui a rapporté 20 millions de dollars. Il s'est fait arrêter par 2 hommes super exceptionnels, de mes amis. Il a purgé ses 9 ans et n'a jamais avoué le nom de ses complices. Reste à savoir pourquoi il rapplique si vite à Miami. Oh, tôt ou tard, tout le monde vient à Miami, où le soleil brille toujours. Oui. Bien dit, le soleil brille toujours. Berlitz-Lein s'en va tout Il t'a pas dit, je... Mais ça va aller à peine toucher. Toto, tu vas être poli, merde. Après, excuse, t'es ramolo et moi, je connais pas ma force. Alors, Bill, tu t'es trouvé de la compagnie? Salut. Hey, baisse ton soleil, j'ai pas envie de bronzer. Il est mort. Il est mort? Hey, je plaide innocent, je veux un avocat. Demande vite 2 ambulances. Une pour l'hôpital, l'autre pour la morgue. Le commissaire Risner va encore me harceler. Pas de veine. Pourtant, dès qu'on a appris qu'il était en ville, j'ai mis dessus 2 de mes hommes. Et nous l'avons manqué de peu. Mais résultat, Garrett a été tué. Oui, je sais. Il se trouve que le FBI s'intéresse déjà à cette histoire. Vous n'avez qu'à me charger de l'enquête. Risner s'efforce de me pousser à démissionner. En fait, j'ai eu 2 pépins assez graves ces temps-ci avec mes gars. Et surtout un que Risner se plaît à me rappeler. Je ne suis pas contre, puisque vous vous portez volontaire, d'accord? Mais attention aux autres, n'allez pas sur leur plate-bande. Est-ce que je pourrais dire au FBI quels sont les agents que je préfère? Je suis d'accord. Vous pensez à qui? Doug Bennett et Steve Forrest. Je ne les connais pas. Ils sont du bureau de New York. Exceptionnel. Je les connais depuis de nombreuses années, on a travaillé ensemble. Et c'est justement eux qui avaient coffré Garrett. Comment procéder? C'est simple, Bennett et Forrest joueront les flics ordinaires au poste. Oui, s'ils savent. Ils sont... Si vous pensez que c'est possible, je vais appeler New York. Jean Bennett, le bureau du boss en 4e vitesse. À vos ordres, monsieur. L'affaire Garrett vous intéresse toujours? Ah ça oui, je lui ai collé aux fesses dès qu'il est sorti de tôle. Et naturellement, vous avez aussi prévenu votre cher Forrest, qui vous a, je crois, envoyé sur les roses. C'est exact, oui. Et sur ce, on a tué Garrett. Oui. Donc, maintenant, nous pouvons dire que son complice et 20 millions de dollars se baladent à Miami à coup sûr. Vous allez partir en vitesse à Tampa, convaincre Forrest de retravailler. Après, vous aurez le plaisir de voir votre vieille connaissance, le capitaine Tanet, qui vous transmettra les ordres. Parfait, monsieur. Je suis curieux. Vous allez convaincre Forrest comment? C'est un grand sentimental. Un pas de plus, c'était Cujat. Oh, Steve, ça fait un bail. On peut le reconduire. Oh, franchement, t'es pas très amical. Perds pas ta salive, Blondinet.
Ah, écoute, Steve, j'ai besoin de toi, il faut que tu reviennes. T'es sourd? Tu perds ton temps, insiste pas. Steve, tu vas revenir sur ta décision. Tu te fourres le doigt dans ton œil bleu. Même si je te dis que ces fumiers ont tué notre cher vieux Tanet. Quand? Qui? Oh, ça doit être les mecs qui ont buté Garrett, très probablement. C'est parti. Oui, c'est parti. Après 9 ans de prison, Garrett rapplique croyant toucher ses 20 millions, mais il se fait descendre. La vie est bizarre, tu trouves pas? Steve! Chérie, je suis si heureuse de quitter cet abominable New York et l'insécurité et la violence. Enfin, ça va nous changer. T'as pas compris, roule, coucou. Allez, tu snoques. Obéis ou bien je te bute. À vous, le gros lard. Bah, réveille-toi, monsieur a dit gros lard. Hey, Steve, réponds à ce jeune homme qui a l'air bien gentil. Compris. Bon, haut les mains. Les deux durs, bougez pas. Et pas de blague. Pas un geste. Stop. J'ai dit stop. Ben voilà, ça nous rajeunit, mais enfin, on n'est pas encore acheté. Hein? Ouais. Tu vas me garder mon bardage, j'ai une visite à faire, là plus tard. Mais pourquoi, quelle urgence? Je vais chez la veuve Tanet. Ah, chez la... Ah oui, mais ça peut attendre. Hein. Vaudrait mieux y aller tous les deux. Non, je t'assure, je préfère y aller seul. Mon espiègle compagnon. Madame Tanet. Steve, il fut un temps où vous m'appeliez Carole. Mais entrez, entrez. Merci. J'ai appris toutes mes condoléances. Oui. Oh, vous êtes gentil, merci. Je suis touchée. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Pour moi, c'est une perte terrible. Quel malheur. Il me tenait si bien compagnie. Oui, c'est une affreuse tragédie. Il était si intelligent, si sensible. Oui, c'est vraiment les meilleurs qui partent. Ah, oh, ça c'est bien vrai. J'ai fait inscrire sur sa tombe son nom et j'ai fait ajouter à mon espiègle compagnon. Sans blague. Ben... Il gambadait sans arrêt. C'était un plaisir de l'avoir à la maison. Espiègle. Ce qu'il était si bien dressé. Bien dressé. Vous savez, jamais il n'a sali la moquette.
Il avait l'habitude de m'attendre devant la porte pour sagement faire dans le jardin. Ah, il y a une dans le jardin. Ben. Oh, Steve, comme ça va lui faire plaisir de vous voir chez nous. Me voir? Oui, il m'a dit qu'il rentrera plus tôt ce soir. Écoutez, Carole, un malheur pareil, ça perturbe, c'est effroyable, je comprends. On peut bien sûr... C'est sûrement lui. Excusez-moi. Allô? Oui, chérie. Comment? Mon Dieu, c'est encore un de ces drogués. Hadouk est près de toi? Dis-lui bonjour de ma part. Quelle coïncidence! Jamais tu ne devineras qui j'ai là avec moi. Non, tu auras la surprise. Je t'attendais de bonne heure. Bon, tant pis, mon chéri. Au revoir. Il dit qu'il n'a pas... Steve! Oh, il est parti. Monsieur, est-ce qu'il s'agit d'une perte? Non, merci. Vous voulez peut-être porter plainte? Non, non, c'est... Vous avez besoin d'aide? Non, attendez, où allez-vous? Salut Steve, t'as été long, dis donc, je me suis fait de la bile. Moi aussi. Non, Steve? Oui. Ben oui, c'est moi, Steve. Ah, salut, chef. Alors, ça va? Figure-toi qui m'a dit que t'étais mort, l'enfoiré. Ah, tu nous diras qu'il paraît que la fin justifie les moyens. Vous pourriez être un peu plus clair? Voilà, le commissaire principal est contre moi. Ou bien je résous l'affaire Garrett, ou il s'arrange pour me foutre dehors. Après tant d'années à mon âge, le chômage n'est pas loin. Tu crois que je peux t'aider? J'aurais voulu en sortir tout seul, mais moi j'ai rien à surhomme. Bah Steve, si. Bon, je suis assez grand pour décider moi-même. Voyons voir. Au fond, les tests de mes gants, j'ai qu'à les mettre une semaine plus tard. Bon, ça marche, on s'y met, chef. On a déjà eu de nombreux hold-up au nord de la ville. On signale deux hommes opérant à bord d'une Ford bleue récente. Ben, on ne sait rien d'autre. Bon, maintenant, je vous présente les deux nouveaux. Debout, les gars, s'il vous plaît. C'est Jess Donnell et Ella Ray. Ils sortent pas de l'œuf, ces poulets. Vous voyez, bravo, vous trouvez ça marrant? Bah, oui. Non, mais faut s'y faire, c'est subjectif, l'humour, n'est-ce pas? Ben, il paraît. En tout cas, j'en ai. Bon, allez-y, les gars, au travail. Et vous, j'ai deux mots à vous dire. Et pas de blague que personne ne puisse se douter qui vous êtes. Contentez-vous de patrouiller, de surveiller la routine dans le secteur. Mais évidemment, vous ne perdez pas de vue l'histoire Garrett. Bon, voici les clés de votre appartement de fonction. C'est petit mais confortable. C'est pourquoi cette collecte, on peut savoir? Terry Clay, ça c'était un homme brave et mort bêtement il y a 3 semaines. Il allait démanteler le réseau de loupards de la voie express. Il a eu le tort de vouloir faire ça en solo. Mets un billet de $20. Ouais, t'as raison. Ça, c'est pour toi. Oui, c'est fait, ça y est. Mets-en un autre, tu veux. Pour qui? Pour moi. T'as pas la force de le mettre? Non, mais j'ai pas mon portefeuille sur moi, je te rembourserai. Ouais, trouve autre chose. Tu l'oublies toujours. Toi, t'es généreux quand c'est moi qui paye. Thank you.
Non, je crois que pour ce soir, il nous faut renoncer. C'est pas possible, ça. Non. Je pense m'être montré assez tolérant. Parce que tu veux faire jeune, c'est ça. Où tu l'as dégoté, celui-là? Attends, je reviens. C'est pour le gars de la chambre 5, le dénommé Garrett, je présume. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ma foi, oui, vous avez deviné. Hé, regarde. C'est curieux, il a donné son vrai nom. A-t-il reçu les visiteurs? Mais qui donc? Garrett. Garrett. Non seulement celle des cafards dans nos matelas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, de rien. On a des clients normaux et puis on a autre chose à faire qu'à surveiller leurs allées et venues. Vous comprenez? Non, pas trop. Faites-nous un dessin. Ben, si un gars vient à l'hôtel, c'est pour passer la nuit, non? Et Garrett? Ben, il a fait comme tout le monde. Il est sorti, il est rentré, il a dormi, etc., etc., c'est pas? Oui, mais c'est justement l'etc., figure-toi, qui vous intéresse, étant donné qu'il a été tué. Montre-toi un peu bavard, tu sais quelque chose? Ah non, c'est faux. Du reste, s'il a été exécuté, c'est pas chez moi qu'il est. Mais nous le savons. Il a appelé l'extérieur? Ah oui, mais pas beaucoup. T'as pu enregistrer? Pas moyen. Il a appelé de la cabine et pas si bête. C'est vrai? Ah ben, venez, comment vous savez tout ça? Ah, tout le monde dit toujours que je suis surdoué. Oh. Qui l'a contacté? Oh, écoutez, la règle numéro 1 de ce métier, c'est de jamais se mêler. Jamais. Écoutez, qui téléphone à qui? Ça va, Coco, basta, ah, donne oui, la clé et oh, montre-nous la chambre. On peut le dire gentiment, non? Pardonnez-moi. Je passe devant, attention. Voilà la chambre numéro 5. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Raconte. Comment ça, après? Après quoi? Après qu'on l'ait trouvé mort. Même si tu crois que ça n'a rien à voir, raconte. Je vois pas ce que vous voulez que je vous raconte. Mais il y a un truc pas banal un peu après, d'ailleurs. J'adore le pas banal. Et après le départ des flics, un type a voulu louer la chambre. Ah, pourquoi, l'hôtel était pas plein? Non, justement. Il restait la 3, il restait la... Non, pas la 6, la 7 était libre. Et il a insisté pour avoir la 5. Je dis bien, il a insisté. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est un drôle de bonhomme. Il s'est enfermé, puis... Et puis on l'a revu que le lendemain. Il a payé, puis il est parti. Mais ce qu'il y a de curieux... Qu'est-ce qu'il y a de curieux? C'est-à-dire, il n'a pas dormi. Non, on a trouvé la chambre en meilleur état qu'avant qu'il l'ait occupée. Tu rigoles? Décris-le-moi. Un balèze! Mais beau! Un mec bien baraqué, indien! Tu l'as sur tes registres? Ah, bien sûr, tout est en ordre, enfin. Sitting Bull. Alors, sur l'instant, moi, j'ai rien dit, mais ça m'a paru drôle, ça. Je suis cultivé, moi. Mais oui, ma grosse. Dis, c'est tout, t'as rien remarqué de surprenant? Oh, c'est des muscles, plein de muscles. Un monsieur, mais alors musclé! Ok, bon, c'est que t'adores les muscles. Quoi d'autre? Oh, c'est sûrement un boxeur, parce que moi, je les reconnais tous, les boxeurs. Il a sûrement été poids lourd, celui-là, je le parierais. Ils m'ont tous l'air de poids lourd, tous ces gars-là. Oui, mais le nôtre est charpentier. Hein? Comment tu peux dire qu'il a été charpentier? Mais puisqu'en une seule nuit, il a tout démoli puis tout remis en place à l'hôtel. C'est un vrai pro. Mais qu'est-ce qu'il voulait, son toit? Oh, passer le temps, puisqu'il y avait seulement des cafards. Il n'y a pas ici un charpentier catégorie poids lourd. Oh.
je dis. Rangez. Allez, on va aider le fion. On est sympa, hein, Sitting Bull. Écoutez, je vous ai rien demandé. Mais nous, on a besoin de toi. Pourquoi? Pour... Que cherchais-tu dans la chambre de Garrett? Suivez-moi. Je vous trouve une bonne gueule pour des visages pâles. Bon, en fait, je m'appelle Charo. Ok, Charo, pourquoi tu es allé dans la chambre 5? Pourquoi tu y as passé toute la nuit? Démolir et tout remettre en place ensuite, tout ça c'est mon boulot. Tu cherchais quoi? 20 millions finalement, c'est ça à vous? Je trouve bien que dans la vie, aucune fortune au monde ne vaut un ami. Bien dit, le Sioux. Bon, et toi? J'ai trouvé juste une tournevis. Et un marteau. Possible qu'ils aient appartenu à Garrett? Possible. Oui, seulement qu'est-ce que tu avais à voir avec lui? On était dans la même cellule à Saint-Quentin. Il m'a sauvé la vie. Et toi, pour le remercier, tu l'as refroidi? Non, j'ai appris qu'on l'avait retrouvé mort. J'ai décidé d'essayer de faire tout seul mon enquête. Je lui devais bien ça. Est-ce que tu l'as vu avant qu'il ne soit tué? Oui, il était fauché. Des punks l'avaient dévalisé dans un pullman. Des punks? Et puis? Il a dit qu'un des gars du hold-up de la banque devait se trouver ici à Miami. Garrett voulait sa part. Sa part, il l'aurait, puisqu'il détenait de quoi faire chanter l'autre. Ouais, seulement l'autre a réussi à lui couper la musique. Et ce, une fois pour toutes. Il a raflé les preuves, c'est bien ça? Non, il était bien trop malin. Il les avait cachés avant d'aller voir les types en question. Et les preuves, elles sont planquées. Si bien que j'ai pas réussi à les trouver. Bon, et naturellement, il t'a pas dit le nom du type. Non. Ok, Charo. Merci. Écoute, si jamais tu te souviens d'autre chose, tu nous appelles à ce numéro. Si vous trouvez le tueur, dites-moi son nom. J'aimerais bien lui dire aussi deux mots. Ok, ciao. À toi de jouer. Si Charo trouve l'assassin de Garrett avant nous, il ne restera pas grand-chose pour l'autopsie. National 31, près du gazomètre. Au secours, urgent, il me canarde. Tenez bon, ma jolie. Ici, voiture 27, on arrive. Vas-y.
Pas un geste, main en l'air. Toi, relève-toi. Main sur la tête. Tournez-vous. Lentement. Bon. Mettez-vous à genoux. Stop. Toi, main gauche dans le dos. Main droite. Toi, main gauche dans le dos. Main droite. Main gauche. Main droite. Y'a rien de cassé. Vous êtes entière? Ouais, grâce à vous. Bon. Ça va, j'ai pas trop de dégâts. Deux éraflures et une vitre cassée. Non mais dites donc, félicitations, vous avez gagné le jackpot. Quoi, comment? Oui, les 50 000 dollars. Bah, la prime du syndicat des camionneurs, c'est chouette, non? Oh, c'est formidable. Ouais, ce coup-ci, tu vas pouvoir enfin me rembourser. C'est très vilain, l'avarice. Oh, t'es gonflé. Outre les félicitations du gouverneur et de la municipalité, vous aurez ceci, un chèque d'un montant de 50 000 dollars. Mais malheureusement, vous connaissez le règlement, les policiers n'ont pas le droit de toucher de l'argent. Oh merde, alors moi qui avais envie d'une Porsche, disons. Ce serait pourtant bien tombé pour un hélicoptère. Eh bien, j'ai une meilleure idée. Pour les études des gosses de notre arrêté clé. Je tiens à vous dire merci au nom du commissariat. Ok, ok, c'est du fond du cœur. Ah oui, puisque c'est le règlement. Vous pouvez partir. Jess? Oui, chef. Je vous donne votre journée. Mais ce soir, mettez-vous sur votre 31 et allez ensemble au club Violence. Vous y verrez quelqu'un qui sait peut-être quelque chose. Mais comment reconnaître le mec? Lui vous reconnaîtra, vous verrez, c'est facile. Bonne soirée. Oh, bah dis donc, ça va être dur pour toi. Hein, pourquoi? Pour que t'aies un look présentable, bien un sacré boulot. Ça va, tombe les filles. Et tais-toi. Monsieur Désir, moi, un punch à l'ananas. Ananas, mais sans rhum, hein. Blonde Marie, pour moi. Alors, on n'a pas de blonde Marie. On a Kitty, qui est rousse, Patricia, qui est brune, Béa, qui est noire, ou encore Minto, qui est jaune et qui nous débarque de Hong Kong. Dis donc, comme barman, c'est toi qui débarque. Jus de tomate, glace, vodka et poivre. Ah, vous vouliez dire un Bloody Mary? Je tiens pas à te mettre au chômage. Vite, saute au serre-moi. Tout de suite. On s'est pointé, mais il n'y a pas plus d'indique que de peur en branche. Oh, mais des fumiers. Quel sale métier, dis donc. Ouais. Je voulais bien passer des cacahuètes. Mais bien sûr. Merci. Il n'y a pas de problème. Les indiques sont pas à l'heure et en plus, ils empestent. Ben, c'est parce qu'ils ont la trouille. Chez eux, c'est physique. Quand on choisit un métier comme ça, au fond, ça n'a rien de surprenant. Chin chin. Avouez que les indiques sont parfois à l'heure. Et qu'ils ne sentent pas toujours mauvais. Quant à mon métier, il me convient assez. Je m'appelle Irène. Ah, et moi Jay. Moi, ouais. Pour éviter les soupçons, l'un d'entre vous peut-il me faire danser? Oui, vas-y. Toi, joue les Travolta. Ah. Madame, m'accordez-vous cette danse? Avec joie. We'll be right back.
C'est drôle. Je suis sûr de vous avoir vu quelque part, mais où ça? Ça m'étonnerait. Je suis assez physionomiste. Peut-être à Boston, il y a 2 ans? Non. Franchement, ça me sidère qu'une jeune femme belle et tout accepte un job aussi... dégueulasse. Oui. Non. Non, enfin, aussi risqué. Mon Dieu. Je déteste raconter ma vie. Du moins en dansant. Oh, bonsoir. Il faut des noisettes avec votre cocktail. Merci. Puis-je m'asseoir? Oui, allez-y. Oh, de ce côté... de... C'est curieux. Surpris que je sois à ce bar? Oh non, les surprises me gâtent beaucoup ces temps-ci. En vous voyant, je me suis dit, allons lui dire bonsoir. Oui, bonne idée. Et alors, ça roule bien? Ah oui, ça roule, merci. Franchement, de vous à moi, j'ai majoré les dégâts pour l'assurance. Mais franchement, c'est pas de vous à moi, c'est tout simplement de vous à vous. C'est vous que ça regarde si vous roulez votre compagnie. Vous la connaissez aussi? Ah oui, c'est une mignonne qui roule en 10 tonnes. Mais nous avons à parler. Non, je vais l'expédier. Vous faites déposer à terre. Ah, et voyons, Irène, je vous présente... Annabelle. Bonsoir. Salut. Veuillez me pardonner, j'emmène Annabelle admirer le clair de lune. Ah, oh, bah ça, alors je te savais pas en mentir, dis donc. Bien sûr, t'es trop charlot pour déceler mon côté fleur bleue. Au plaisir, Irène. Dites, c'est à vous, ça? Bien sûr. Et vous n'allez pas prétendre que vous êtes ravi de piloter cet énorme bahut tout le temps? Mais si, montez, vous verrez qu'il est plus confortable qu'une Rolls, dit-on. Mais ma vertu, Annabelle. Vous verrez. Je prends le risque. J'ai des cassettes extra. Alors, il s'agit de vous aider à retrouver l'assassin de la dénommée Garrett. Mais qui vous en a parlé? Ma mission me semblait top secret. Les bavures sont... très fréquentes, oui, je sais. Alors, quoi de précis pour moi? Votre Garrett serait venu à Miami pour voir un dénommé Fletcher. Qui est-ce? Truand de Floride, grand standing. Quel secteur? Les jeux et... enfin, tout ce qui est illégal. Comment peut-on rencontrer cet homme? Il est en train de préparer un gros coup sur une rencontre importante, le match entre Washington et Oklahoma. Certains parlent du rapt de l'année. Quoi? Selon les milieux bien informés, il s'agirait de kidnapper le joueur vedette, le fameux Joe Ranieri, pour changer le score. Sans blague, ça a l'air fort de café. Qu'est-ce que vous risquez si vous preniez certaines mesures pour garder Ranieri? Au cas où? Non, ça se tient. Faire rater le kidnapping, coincer Fletcher et ensuite le passer à tabac. Voilà. D'accord, c'est parti. Bien sûr, on comprend rien de ce qu'il dit, mais quelle voix. Ça me remue au tréfonds. Oh, je craque. Pas vous? Bonjour. Salut. Je vous l'ai dit au téléphone, Joe Ranieri, la star, refuse de faire le voyage avec l'équipe. Il est superstitieux. Et il a une tire super rapide. Aucun problème, c'est mon gabarit. Vous avez un plan?
Oui. Je peux savoir? C'est archi simple. J'ai mis au point une méthode infaillible. Si un mec attend quelque chose, faut s'arranger pour que quelque chose se trouve quelque part. Quelque part? Ben c'est clair, non? Qu'est-ce qu'il va être content? Et puis je lui ai dit de ne pas me raconter ça. Monsieur Fletcher, c'est le montant des paris du principal guichet, va-t-on retenir. Alors ce coup-ci, ça va rapporter un max. Magnifique. 0-0-0. Centrale. Soyez prêts, on arrive. Attention, vous avez 3 minutes. Ok, tu ralentis. Alors les gars, on passe aux choses sérieuses. Ça va devenir marrant. Voilà, c'est terminé, merci. Maintenant, on passe à la douche.
Monsieur Fletcher. Ouais. Fabuleux, les 10 millions sont dépassés. Ouais. Un coup génial. Joueur de l'année. Le voici, Joe Ranieri. On l'applaudit. Le nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie de merde? À mon avis, il a eu un os, boss. Abruti, espèce d'enfoiré, mais il meurt lui. Vous faites des misères, monsieur Fletcher. Ouais, mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous connais pas. Nous, on voudrait vous parler. Suivez-nous et vous profitez du match. Washington a marqué. Ah oui, c'est moche, n'est-ce pas, monsieur Fletcher? Qu'est-ce que Garrett vous voulez? Mais quoi, Garrett? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais même pas qui vous êtes, moi. Calme-toi, tête de nœud, et réfléchis un petit peu. Non, non, mais je sais même pas de quoi il s'agit, je sais pas qui c'est, Garrett. Non, que si. Ah bah, dites donc doucement, hein. Et puis vous allez parler sur un autre tombe, parce que moi, je suis pas né de la dernière averse. Ça, hein? C'est toi qui le dis. Hein? Mais on peut t'arrêter pour Paris truqué et kidnapper. On a de quoi te faire boucler à perpète. Bon, admettons que je vous le dise, hein. Alors? Bravo, on oublie la tentative de kidnapping si tu parles. C'est d'accord, Steve? Oui, blondinette, d'accord. Oh! Bah écoutez, voir, je suis innocent. Moi, ce mec... J'ignore qui c'était, hein. C'est vrai, lui me connaissait, mais je suis connu comme le loup blanc, vous le savez. Alors votre type un matin me contacte, il veut soi-disant que je l'aide pour trouver un dénommé Ralph Duran. Et qui selon lui est à Miami, seulement il vit sous un faux nom. Et alors il me dit qu'il y aura 20 millions de dollars à la clé. Vous vous rendez compte qu'on se partagera? C'est une somme, ça. Alors moi je lui ai dit non merci, vu que j'ai horreur des affaires louches. Alors je lui ai dit qu'il pouvait aller se faire voir ailleurs. Dommage. C'est possible, oui. J'y connais, hein. Finalement, t'as vu Ralph Duran? Ralph Duran? J'avais jamais entendu parler de ce mec-là, moi. Et moi, je savais rien avant que Garrett me parle de lui, hein, croyez-moi, hein. Alors, on est quitte, hein? Oui, bien sûr. Ah non, merci encore. Non, mais il nous a pas regardé, ce type-là. On n'est pas des ripoux, hein? Merde, c'est vrai, quoi. Oui, blondine est jolie. Votre caïd, Fletcher, m'a l'air d'avoir dit la vérité. Rien ne laisse supposer qu'il ait eu des relations avec Ralph Duran. Mais l'affaire semble se corser. Ralph Duran, attention, dangereux, soupçonné de nombreux meurtres et hold-up. Le 5 mars 1978, son cadavre a été découvert dans une décharge à Détroit carbonisé, impossibilité d'identification. Aucune empreinte, unique document trouvé sur le cadavre, une vieille carte de crédit. Carte de crédit? Croyez-moi, ça pue l'indique. C'est curieux, un gangster avec une carte de crédit? Oui. Attendez voir une minute. Soldup, c'était bien le 1er mars 1978. Mais nous, c'est deux jours après qu'on a arrêté Garrett, il me semble. Ah ouais, le 3 mars, ça c'est vrai. Attendez, Duran a bien été trouvé mort le 5 mars, je ne me trompe pas. Mais c'est évident, il a pu être de mèche avec Garrett. Les types du braquage étaient trois selon les différents témoins. Duran est mort, Garrett aussi, et il vous manque le troisième. Ah oui, mais pourquoi Garrett voulait tant voir un cadavre? Alors moi, j'y piche que dalle. Écoute, on a des cerveaux maus, nous. Gamberge un peu, blondinet. J'aurais mieux fait de rester à faire passer des tests à mes petits gars. Sept, huit... 9, 10, c'est ouvert. 11, 12. Bonsoir. 13, 14. Je viens trop tôt? Non, j'en fais une centaine avant le dîner. Ça me met en appétit. Faites donc comme chez vous. Servez-vous un verre. Le temps de me doucher, ça va être prêt et on mange.
Ça sent bon, hein. J'ai une de ces faims. Vous comptez manger sur le pouce? Non, non, pas question. J'aurais trop peur des brûlures d'estomac. Écoutez, Irène, vraiment, dès la première rencontre... Ne dites pas que sans moi, vous paniquez. Ben, ça pourrait bien être le cas. Non, franchement, j'ai eu la sensation à notre première rencontre que je vous avais déjà vu, et depuis j'ai cherché, et j'ai trouvé où? À la finale de Miss Nevada l'an dernier. Une Miss quelque chose, moi? Ben, pourquoi pas? Jamais. Ah non. Ah, on sonne. Non, c'est le minuteur, on mange. Oh, à Indianapolis, vous êtes mordu? Non, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Allons, ne faites pas de fixation. Vous êtes super forte, hein? Tu parles, on paraît que je gagne. Aucun type ne m'a jamais battu au bras de fer. Vous avez rien d'une mauviette? C'est très important pour moi qu'un homme ait réussi à me battre. Ouais? Serre-moi. Serre-moi, chérie. Quoi? Serre-moi, chérie. Mais voilà. Non, serre plus fort. Encore. Assez, sinon je vais te casser. Non, non, vas-y, j'adore. Ah, excuse-moi. Oui? Steve, un dénommé Charo te cherche. Il demande que tu le rappelles au 4-7-3-8-3-2-9. J'ai vérifié. C'est une cabine publique dans Mikosuki. 4-7-3-8-3-2-9. D'accord, merci. Oui, allô, visage pâle. J'ai peut-être trouvé un début de piste. Possible que ça marche, et possible que ça rate. Je vais vous faire voir, venez. Alors à vous. Quel moi? Le cordon bleu ou l'indique? Les deux. Merci. Bon, j'ai une idée. Dites-moi toutes les villes où vous avez été ces dernières années. Voyons. D'abord à Philadelphie. Philadelphie. Mais c'est ça, Philadelphie. J'ai jamais mis les pieds à Philadelphie. Il s'est sonné. On peut pas faire ça. Je sais qui c'est. Allez-y. Allô? Je voudrais... Je vous le passe, c'est pour vous. Ouais, je parie que c'est le casse-pied. Gagné. D'accord. Voilà, hier, vous étiez à peine parti. J'ai reçu une lettre de Garrett. L'aigle assure votre avenir. Qu'est-ce que tu as compris? 3 jours que je me creuse les méninges. Une chose est sûre. La lettre, les tournevis, le marteau, tout ça se tient. L'aigle assure votre avenir. C'est dingue. Si on trouve l'essence, ça expliquera les mystères. Ouais. Quand t'as rencontré Garrett, il t'a pas paru un peu... Pas du tout. Tenez, j'aime autant vous les donner. Et aussi autre chose. Le gars que Garrett tenait à voir, il a eu le visage refait. Non, mais tu rigoles, le type en question, il est mort il y a 7 ans. Il existe un ancien dicton indien, les défunts ne sont pas tous sous terre. Oui, d'accord. Les morts en mer, ça existe. Et puis il y a les brûlés qui crament. Les brûlés. Brûlés qui crament. Ouais, ben quoi. Pas si bête. Une minute. Qui est-ce? C'est lui. Bonsoir. La maison a l'air de vous plaire. Oui. Une urgence. On a besoin de vous pour obtenir les noms des chirurgiens esthétiques de Floride en 1977 et 78. Tout de suite? Oui. Mais il est minuit, je n'ose pas réveiller mes contacts. Vite. D'accord.
Détroit, le prix de Formule 1 à Détroit, vrai? Impossible, non. Allô? Oh, ça doit être Dan Esser, il opérait sur tous les types de la pègre. Et il est mort le 30 mars 78. Vrai. C'est-à-dire 25 jours après Ralph Duran, oui. Ça doit lui avoir suffi pour cicatriser, vrai? T'as fini de dire vrai en fin de phrase, ça fait plouc. Au fond, ça se tient, Ralph Duran a eu l'idée pour entraîner sa nouvelle tête de zigouiller le toubib. Vrai. Tu te crois un radio-crochet? J'ai une drôle d'impression, moi. On s'est dégoté un truc qui convient aux fossoyeurs plus qu'aux flics. Il y en a un peu marre, des Maccabées. Vrai. Tiens, vétérinaire. Ah, le défaché au chien se faisait peut-être la main sur des Doberman. C'est possible, ça. Moi, je te dirais que les Doberman, je les confonds tous. Et en plus, ils aboient jamais. Madame Donesser? Qu'est-ce que vous voulez? Vérifier que je peux exercer? Non, on voulait seulement vous poser quelques questions sur votre mari. Mon mari est mort depuis 7 ans. Oui, nous savons, madame. Justement, ce qui nous intéresse, c'est comment il a trouvé la mort. Selon l'enquête de la police, écrasé par un poids lourd. Veuillez m'excuser, mais je vous laisse. Je dois faire une intraveineuse à un chien. Alors, au revoir. Dites, on peut vous aider, nous? Eh oui, on a un diplôme de secouriste. Voilà, Bobby. Pardon de t'avoir fait attendre. Je vais te débarrasser de ça tout de suite. Si vous voulez m'aider, allez dehors nourrir les chiens et les chèvres. Pour les chèvres, c'est le seau vert. Pour les chiens, c'est le seau jaune. D'accord. Je prends les chiens et tu prends les chèvres. Non, le contraire. Caractère de chien. Voilà, ça y est, ça ne te fera plus mal. Hein? Ce sont tous des animaux abandonnés. À mon avis, les personnes qui n'aiment pas les bêtes sont capables de tout. De tuer votre mari, entre autres. Vous savez quelque chose? Ben, pour être franc, on a l'impression de piétiner. Mais tout de même, on sait que votre mari a été renversé délibérément par le camion. Oui, nous voulons rouvrir le dossier. C'est sérieux? Ben, vous voyez bien qu'on est là. Mais qui aurait voulu? Tous les patients de votre mari, plus ou moins, ils avaient intérêt à voir pareil témoin disparaître. C'est vrai. Vous vous rappelez du dernier client, le dernier qu'il a opéré? Oh, tout ce qu'il y a de bien, oui. Suivez-moi. Il a payé si cher qu'on a pu aller en vacances en Europe. Londres, Paris, Madrid. Un mois environ. Oui. Et à votre retour, votre mari s'est fait écraser, c'est bien ça? C'est exact. 2 jours après. Dites, votre mari tenait un fichier de ses patients? Non, mais j'ai conservé ses livres de rendez-vous. Tenez, c'est celui-ci, 1978. Vous comprenez, ces opérations étaient illégales. Donc, il n'y avait ni nom, ni reçu. C'est là, mars. Hein? Regarde. RD. Je te parie $100 que c'est Ralph Duran. Madame, que veut dire FT après $120,000? FT, figure totale, c'est pour les patients qui voulaient une autre physionomie. Un de ces jours, madame. Et merci de nous avoir pris comme assistants. Et vous pensez retrouver le meurtrier? On est super doué, madame. On pense tous les deux au même truc, je parie. Ouais, Robert Delman, peut-être Ralph Duran. Et un pingouin pour boire. Ouais. Merci, monsieur. Bonne journée. Hein. Vous délirez totalement.
Delman, le promoteur le plus important de la région. Très influent sur le plan politique. Il est à la tête d'un consortium colossal et il est président du Country Club. Bon, mais n'empêche, les initiales RD, pour toi, pure coïncidence? Combien de braves gens ont les mêmes initiales? C'est pas sérieux. Et d'où vient sa fortune à ton bonhomme? Vas-y, raconte. Bon, c'est simple. C'est un rapatrié, il était à Cuba, il a tout laissé pour fuir le régime de Castro. Quand? Ça fait environ 7 ans. Quelle réussite, hein? Il paraît qu'il a ramassé gros à la bourse. Regarde si tu as la date exacte de son arrivée. Oui, voilà, 2 avril 78. Un mois après, justement, on trouve le cadavre de Duran. Coïncidence numéro 2. Numéro 1, les initiales. Numéro 2, la date de son arrivée à Miami. Et 3 jours plus tard, un camion écrase justement le chirurgien. Coïncidence numéro 3. Non, bah, dites donc, c'est pas Dallas. La réalité dépasse la fiction. Vraiment. On pourra jamais entrer dans le château. Ouais. Mais on a besoin des empreintes de Delman pour comparer avec celles de Duran. Ben oui, c'était la seule façon de prouver que notre théorie n'est pas si farfelue. Eh, attends, Tanné a dit que Delman était membre du golf club? Ouais. Donc son casier là-bas doit porter plein d'empreintes. Oui. Relax, Blondinette, t'es pas décoiffé. Non, mais j'avais le peigne de Delman. Doit y avoir de l'aspirine dans la voiture, non? Oui? Un peigne? Un homme. Tiens, tiens. Et ils n'ont pas volé autre chose? C'est très bizarre. Ces deux policiers sont bien trop fouineurs. Fais le nécessaire. Un jus d'orange. Ah oui, c'est bon pour le teint. 2. Colossal et qu'on se retrouve là comme des vulgaires poules à gare. Moi, ça me tue sous un toit. Coco, il faut agir. T'as raison, alors payez mon fil. Oh, dis donc, ça c'est con, hein. J'ai encore oublié mon portefeuille. Oh, bah vas-y, paye et puis on file, je te rembourserai plus tard. Il commence à me gonfler, celui-là. Profite que je suis un bon zig. Oui, mais ça peut se gratter. Allez, en route.
La bagnole, c'était la vôtre? Allez, barre-toi, mon vieux Léry, poussons-la. Hein? Cherche pas à comprendre. Bon, alors là, j'en crois pas mes oreilles. Delman peut faire pas mal de combines, mais vous exagérez un peu une tentative de meurtre. Ah, si Delman est notre homme, c'est même un spécialiste. On dirait qu'il nous écrit une lettre. Ça va, oublions les initiales pour l'instant. Mais il y a sa manière de s'implanter ici, et surtout la bombe pour nous éliminer après mon... le coup du peigne, là, pour ses empreintes. Ça, c'est un peu gros. Comment il a su que vous vouliez ses empreintes? Mais on m'a quasiment tué pour récupérer son peigne. Écoute, Tanné, faisons un marché. Donne-nous un mandat et on t'amène Delman sur un plateau. Non, non, les gars, c'est... J'ai trop peur. Si vous vous plantez, moi, je suis cuit. Suppose qu'on prouve que Delman Duran égale un seul homme. Et c'est le cas? Interroge ton bidule. Est-ce qu'on a porté plainte au golf club pour une tentative de cambriolage cette nuit? Non, aucune plainte. Et tu trouves ça normal? Alors, Tom? Oh, quelle salade. Bon, écoutez, je veux bien pour l'instant fermer les yeux. Vous ne disposez d'aucun mandat. Vous travaillez à titre purement privé, tous les deux. Moi, je ne veux rien savoir. C'est bien clair? Il y a eu suffisamment de morts comme ça. Il faut me faire ça sans bavure. Chers amis, veuillez m'accorder un instant d'attention. En plus de mes nombreuses activités en faveur de notre ville de Miami, je suis fier de vous annoncer la création du plus grand complexe immobilier jamais réalisé, qui n'aurait pas pu voir le jour sans votre aide. Merci. J'interdirais moi aux hélicoptères de survoler les zones résidentielles. Vous osez atterrir ainsi chez moi, messieurs? Vous me le paierez. Ah oui, oui, c'est mon copain, le payeur. Hein? Quoi? Et qui êtes-vous, d'abord? Nous venons pour causer. Soit, venez à l'intérieur. Veuillez m'excuser. Prenez un siège. Prends le fauteuil parce qu'il a l'air plus solide. La seule excuse que je puisse vous trouver serait, messieurs, que vous sortiez d'un établissement psychiatrique. Que désirez-vous? Nous voulons juste vous rappeler quelques faits. Oui, voir si vous avez un peu de mémoire, quoi. Trois mecs, il y a 8 ans, ont fait un hold-up à la banque principale de Détroit avec un butin de 20 millions de dollars. Et? Nous avons coffré un des trois hommes, lequel se dénommait Garrett. Mais il n'a jamais livré ses complices. Vraiment, c'est passionnant. Continuez. Dès sa sortie de prison, Garrett applique à Miami pour retrouver Ralph Duran et toucher sa part de braquage. Garrett trouve Duran. Mais il a changé de nom et de visage. Il y a une chose tout de même qui n'a pas changé, c'est toujours un tueur. Vous ne devinerez jamais la suite. La police retrouve Garrett avec tout un chargeur dans le buffet. 6 balles. Et nous avons la conviction que Ralph Duran habite cette maison et qu'il est dans votre fauteuil. Vrai, monsieur Duran?
Fantastique. Une imagination débridée. Vous devriez écrire des polars plutôt que de moisir dans la police. De toute manière, vous êtes cuit. Vraiment ? Regardez-moi. Ça me fait trembler des pieds à la tête. Allez, on vous laisse une petite chance. Une chance ? Comparons tout de suite vos empreintes et celles de Ralph Duran. Si je me gourre, c'est à vous de jouer. D'accord. Je suis tout disposé à vous fournir mes empreintes. Toutefois, je désire téléphoner auparavant. Police de Miami, j'écoute. Robert Delman, passez-moi, monsieur Risner. C'est le commissaire divisionnaire. Mon cher ami, que puis-je pour vous ? Voilà, Joe, j'ai chez moi deux de vos hommes qui m'amusent avec une histoire à dormir debout. Selon eux, je ne suis pas moi, mais un gangster. Un braqueur doublé d'un tueur. Vous plaisantez ? Qui plus est, j'ai bien l'impression que vos policiers sont en fait les cambrioleurs qui m'ont visité au Golf Club l'autre nuit. Donc je porte plainte. Vu que trop, c'est trop. C'est ahurissant, Robert. Je vous prie d'accepter nos excuses. Ils insistent pour prendre mes empreintes, Dieu sait pourquoi. Je ne demande qu'à me montrer coopératif, mais je poursuivrai la municipalité et réclamerai dommages et intérêts. J'aime autant vous le dire, puisque vous êtes un ami. Et puis c'est fâcheux. Toute cette histoire risque de vous nuire en pleine période d'élection municipale. C'est évident. Passez-moi ces rigolos. Les Coutillets, parlez avec eux. Déclinez vos identités. Officier J. Donnell, police d'Yale à Miami. Officier L.A. Way, Itou. Regagnez le poste. Considérez-vous en état d'arrestation. Dites à Tanek que je serai chez lui dans une demi-heure. Dire que notre grand pays a la meilleure de toutes les constitutions du monde et que vous avez l'audace d'importuner le plus influent citoyen de la ville, c'est indécent. Tant pis pour vous, Tanek. Je me vois dans l'obligation d'exiger votre démission. Quant à vous deux, rendez vos uniformes et vos insignes. J'avertis vos supérieurs qui aviseront. J'aime mieux leur laisser le soin de statuer sur votre sort. Ce sera tout. Désolé, chef. C'est aussi ma faute. Pas de chance, il fallait s'y attendre. Et sans rancune. C'est des types du genre Delman qui m'ont misanthrope. Quel monde pourri. Et je vais retrouver mes hélicoptères. Bonjour, Madame Clay. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Oh, ma foi, nous passions par là, alors j'ai dit aux enfants, allons remercier nos donateurs si généreux. Oh, Donnell et Ray. Oh, il faut dire qu'ils ne sont pas tout à fait dans leur assiette. Oh, pourquoi donc ? Ils ont eu un problème, on les a virés. Tout y est. Bah, ça va pas changer les fêtes, hein, je sais, mais on est de tout cœur. Merci. Oh, excusez-moi, je suis Madame Clay. Voilà, je viens d'apprendre ce qui vous arrive, je suis désolée. Les enfants et moi tenions à vous remercier de votre geste. Oh, mais il y a pas de quoi. Portez-vous bien, hein. Bonne chance. Salut les mômes. On reconnaît que j'ai raison de tout plaquer, ces sales magouilles. Ben, on aura au moins servi à la petite famille. Oh, taxi! Et dire adieu à Irène. Oh non, pour le cœur à ça. Tu comptes voir Annabelle ? Pas question. Pour jouer au poids et alter. On range nos bagages et on repart en vitesse à l'aéroport. Le panneau. L'aigle assure votre avenir. Il y a le même oiseau chez Pancho. Et oh, Toto, demi-tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore vous? Alors, encore vous, là, vous connaissez.
c'est qui c'est... Oh, non, mais vous êtes gonflé, alors. J'adore les êtres fougueux, mais quand même, c'est un tapé exagéré. J'ai des principes. Messieurs, si vous êtes croyants, c'est le moment de prier. Ciao. Là. C'est pour ça qu'il fallait un marteau et un tournevis. Eh oui. Merci, Charo. On vient tout de suite. Salut, chef. Mais comment vous n'étiez pas censé prendre l'avion? Dis donc, t'as envoyé ta démission ou pas? Non, je l'ai écrite, mais je l'enverrai demain. Pas question. Vous avez quelque chose? Celui qui va l'avoir dans le dos, c'est ce fumier de Rissner. Crois-moi. Excusez-moi, monsieur. Qu'y a-t-il, Ramon? Un paquet pour vous à remettre en main propre. Merci. J'ai fini. La bande originale de ce que vous allez entendre est entre mes mains. Perceur Garrett, artilleur Duran, chauffeur Phillips. Salut, Ralph. Ton cadavre a été découvert en mars 1978. Toi et moi savons que c'était pas le tien. Mais celui de notre infortuné complice Phillips. J'ai appris sa disparition au moment où ton cadavre a été découvert. Tu parlais toujours de la Floride et d'y refaire une nouvelle vie sous un nouveau visage. Or, qui opérait à Miami à l'époque? Le numéro un des chirurgiens esthétiques, De Nesser. Un mois après que tu aies fait cramer Phillips, un camion renversé De Nesser. Du beau boulot. J'ai tout de suite compris que c'était toi qui avais... Qui est-ce? Bonjour, je parie que tu es plus pâle encore qu'un visage pâle. Tu peux venir chercher l'original, mais obéis aux ordres. Et viens, je vais te dire où. Et avec 10 millions de dollars, plus les intérêts sur 8 ans. Total 20 millions de dollars. Supposez que je dise non. Tu viendras. Tu n'as pas les choix. Attention, sinon j'adresse l'original au FBI. Bien sûr, je leur dirai aussi de comparer tes empreintes avec celles de Ralph Duran. Vu? 20 millions de dollars, c'est beaucoup. Tu as jusqu'à ce soir pour réunir l'argent. Tu viens à 10 heures ce soir. À la Yankee Company dans l'entrepôt central. Inutile de dire que tu viens seul. Ramon, préviens tous mes hommes de venir me rejoindre au plus vite.
J'en étais sûr. Attendez, je vous donnerai l'argent. Ouais, mais c'est trop tard. Il n'est pas doué, le visage pâle. Il ne doit plus avoir de munitions. On va les prendre par surprise. Non, ça fait un peu désordre, hein? Ouais. Eh ben, grand chef, t'as la migraine? Une autre fois, en plus du gilet pare-balles, je veux un casque anti-choc. Mais où est Delman? Je sais pas, ce que je sais, c'est qu'il avait pas l'argent. Ah, je t'assure, c'est pas moi qui l'ai, hein. T'as rédigé ton testament? Ne me tuez pas, votre prix sera mien. Minable. Ton visage va être définitif et sans honoraire.
Tiens. Alors, oh, c'est ton jour de chance, Delman. Salut, chef. Ça me revient, 12e étage. Oui, oui, c'est là où je vous avais vu, 12e étage du FBI, bureau de New York. J'avoue, agent spécial 003, envoyé à Miami et chargé de vous couvrir. Je ne voulais pas rater la fin de votre brillante opération. Salut, c'est trop beau, je n'en crois pas mes yeux, mais il y a trop d'hémoglobine. C'est de la sauce tomate italienne. Bon, ben on va aller faire une visite encore. À qui? Faut qu'on dégage. Ton ami, le commissaire Risner. Salut, vieux. Je regrette pas trop. Mais tu m'y reprendras plus, même si tu me dis que t'es mort. Ben, si c'est comme ça que tu prends ton pied, retourne planer en vieux coucou. Si mes étudiants m'ont pas oublié. Bon, alors salut. Oh. Oh, dis donc, j'ai oublié mon portefeuille, moi. Alors, sois gentil, paye le taxi et file-lui un bon pourboire. Mmh. Ah, dis donc, ça me rappelle le dicton indien de Tsaro. Aucune fortune au monde ne vaut un ami. We'll be right back.